amis, c'est Alex. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Astérix Craft. En fait, pour ceux qui connaissent pas, voilà, je vous explique, c'est le parc Astérix reproduit sur Minecraft. Voilà, t'as compris, maintenant on peut commencer. Tu peux laisser le petit pouce bleu pour cette information très utile, d'accord? Alors, nous sommes partis. Enfin, nous sommes en route pour visiter un peu l'univers. On est au parc, voilà. Imaginez qu'on est au parc de façon très cubique. Voilà, vous avez compris. Donc, alors, qu'il y a... d'accord. Alors, on va essayer de faire le plus intéressant de ce que je connais du parc. Il me semble qu'il y a Osiris, donc on va aller voir cette attraction magnifique. Là, je crois qu'il y a un truc aussi, mais... voilà, d'accord. On s'en bat un petit peu les couilles. Je pense... le Grand Splat, je crois, mais je pense pas que ce soit... on va pas perdre du temps sur ce genre de truc qui est un petit peu loin la détente, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc à grande sensation, voilà, vous arrivez ouf pour tout ça pour finir ici au final, t'as compris, l'attraction, et même en vrai, je parle, hein, les pas, pff, on s'ennuie un petit peu dedans, faut... sauf quand il fait très chaud par contre, genre canicule, voilà, tout ça, t'as compris, on continue, alors, ah oui, là c'est... début, j'ai des petits coups de lag alors, parce que je sais pas. Direction Osiris. Je crois que c'est par ici. Go, 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 go. Tu vois l'œil là? Tu le vois? Tu vois bien l'œil au-dessus du temple? Il est vraiment bien fait, franchement. J'adore, c'est stylé. Toi, il me regarde là. Et là, il me fait... viens dans mon attraction. Je vais te manger. Je vais t'emmener là où tu ne reviendras jamais. Tu vois, c'est très... ça donne envie, toi. Je sais pas pourquoi j'ai... je suis peut-être schizophrène ou je sais pas. Nous y revoilà. Alors, clique ici pour lancer l'attraction disponible on. Ouais, bon, apparemment, c'est allumé, donc... j'ai appuyé A. Ah, on monte tout devant. C'est là-bas. On est parti. C'est parti. Voilà, nous sommes dedans. Je me sens pas bien, toi. Là, je me sens pas bien. Toi, je commence à trembler. Bon, bah, on est parti. Ah, il y a le petit son qui va avec. Franchement, ça, t'aimes bien, toi. Je sais que t'aimes bien. T'as les lumières qui s'allument tout, genre, pas Osiris et pas Rapis. Je vais vous faire de vous des oiseaux. Voilà, t'as compris le bail. Bon, on attend de voir. On attend de voir, hein. On attend de voir ce que ça va donner. On a compris, c'est le moche. Si nous allons vraiment être des oiseaux, franchement, si c'est le cas, moi, ça me dérange pas. Hein. Comme ça, je pourrais survoler le parc, mais... bon, non, mais c'est bon, j'arrête, c'est bon. Étoile d'araignée. C'est pour faire les filets et tout. Non, j'aime bien, on a une belle vue en plus, mais vu qu'au niveau des chunks, je suis pas à fond, on voit peut-être pas aussi loin que... mais on a une petite vue sur Osiris déjà, donc... c'est très sympathique, on va pas se mentir, ça fait, c'est très joli, bon, même si on voit pas très forcément bien. Et c'est parti! Wouhouhou! Oh, c'était impressionnant, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Franchement, là, les amis, si vous avez trouvé ça impressionnant, vous aussi, et puis que vous trouvez que l'attraction, pour ceux qui connaissent l'attraction et le parc en réalité, et que vous trouvez que c'est vachement bien représenté, franchement, si vous trouvez que c'est vraiment bien fait, bah, franchement, laissez un pouce bleu. Pour ça, franchement, ça vaut le coup. On va pas se mentir. Et puis, regardez bien la plateforme bleue, voilà, qui s'abaisse pour faire entrer le train en gare. Franchement, ça mérite un pouce bleu. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs aussi, par exemple, sans déconner, hein, ce que vous en pensez de comment c'est représenté, si vous trouvez que c'est bien fait et tout, en commentaire, dites-moi s'ils ont fait du bon boulot sur ce serveur-là. Dites-le moi en commentaire, c'est fait pour partager après tout, franchement, non? Non, tu t'en bats les couilles, bah, y a pas de problème. Alors, bon, par contre, elle remonte un petit peu trop tôt. Bon, d'accord.
c'est... Ah oui. Je me suis fait... Non mais là je viens de me faire mais... victimisé par une barrière en fait. Non mais il n'y a pas de souci, là il y a beaucoup d'items frame, je bug, c'est horrible, on va vite sortir de là, voilà. C'est magnifique. Alors là, les amis, où sommes-nous? Ah, là je crois que c'est le Delphinarium, enfin c'est le truc pour le spectacle avec les requins, n'importe quoi. Ok. les dauphins, pardon. Oui, c'est pour les dauphins, tu sais, puis les otaries, je crois, il y a des otaries aussi. C'est... Voilà. Bon là il n'y a pas de spectacle, je sais pas si ça, ils en ont fait sur le serveur, faudrait que je me renseigne, ou... enfin bref. On va continuer notre petite visite, je crois que là nous sommes plutôt dans le thème, un petit peu dans le land du parc grec. C'est l'entrée ça? Non, c'est pas l'entrée. Ah si! Mais ça ferme pas? Oula, à mon avis c'est... Oh! Oh! Oh là, il m'a victimisé. Ah, je suis déçu. Choqué déçu, là. Allumé disponible, éteint indisponible. Non, oui, je pensais. Non, mal pied pour démarrer. Il marche pas, ton bouton. Vas-y. Ça y est. Je crois qu'on... Et on part dans quel sens? C'est dans ce sens-là, donc on monte là. Ouais, je crois que c'est ça. Nous sommes partis, nous sommes dans le vol, nous sommes dans le vol d'Icar. Allez, quand tu veux. Everigo. Putain, le con que je suis. Allez, on est parti, est-ce que ça fait peur ou pas? Bon, à mon avis, vous aurez tous préféré Osiris, je le sais, ça ne sert à rien de mentir. Oh, il y a la pieuvre là. C'est parti. C'était impressionnant, hein? Vous avez kiffé, non? Avouez, vous avez kiffé, nous sommes arrivés, coucou la caméra, coucou! Les amis, l'heure est venue de découvrir l'attraction nouvelle du parc Astérix en 2016, qui a ouvert en avril 2016 déjà, qui s'appelle Discobélix, qu'on voit ici. On va la découvrir de plus près, pour ceux qui ne l'ont peut-être jamais vu sur le serveur Astérix Craft. La voici. On voit, elle est super bien représentée, franchement, de ce côté-là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, regardez. Ils ont géré sur le coup. On va la faire pour le plaisir, si c'est fonctionnel. Ah oui, pour dans le serveur, j'allais dire, sinon... Faut déjà réussir à... What? Ah! Ok, je suis assis dedans, mais... Mais on voit rien, en fait. Ah ok, d'accord. Bon, nous sommes partis pour Discobélix, les amis. Je vous souhaite un agréable tour d'attraction. Enfin, vous avez compris, allez. Κι είμαι μαζί σου. Κρίσα τον άνεμο, τη λίγο το κορμί σου. Σ' αγάπησα από την πρώτη μέρα. Που αγκαλιά σε κράτησα, θυμί σου. Η νύχτα είναι δική σου. Έχω για σένα και εσύ για μένα. Είμαστε ένα. Χαμένα τα έχουμε, μα όλα ευτυχισμένα. Έχω πάρει φορά, δεν πατάω φρένα. Αυτό που ζούμε δεν είναι για τον καθένα. Μόνο για μια φορά. Voilà les amis, c'était le petit tour au Discobélix. Je viens de tester pour la première fois sur le serveur Discobélix et il faut savoir que je n'ai jamais fait aussi en réalité, donc c'était ma toute première sur cette attraction. Sur Minecraft pour le coup.
Comme quoi, ça donne un petit avant-goût hein, pour la prochaine fois où j'irai au parc Astérix, tiens. Et voilà. Il est content. Bref, si cette petite vidéo sur le parc Astérix vous a plu et que vous avez trouvé ça cool, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me dire en commentaire si vous voulez que j'en fasse une autre, qu'on découvre plus de choses sur ce serveur et tout. Si vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos, ça fait plaisir si c'est pas déjà fait. Et sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et...